père et fils. Au fur et à mesure, je me bosse, je me laisse pas. Bon, ne pas aller trop loin. J'aimerais faire une petite surprise en Côte d'Ivoire. C'est un jeune Guinéen, nationalité ivoirien. J'ai même grandi ici. Bon, ces œuvres-là, je les fais suffisamment à les amis qui sont venus me croiser aujourd'hui, comme tels que vous. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce que tu peux faire au juste? Donc j'ai imaginé et je me suis dit, bon, c'est très bien de me dire ça. Je préférais faire un symbole de le meilleur joueur et celui que je vais lui aimer finalement pour toujours. Voilà, donc j'aimerais faire un reportage sur lui pour qu'il puisse chercher que je suis à San Pedro ici, mais je le guette. Mon père, mon grand-père même est artiste, forgeron. Moi, je faisais la tôlerie, mon père m'a mis pour pouvoir faire la tôlerie. Et finalement, je suis venu lui donner un coup de main. Paf, c'est rentré. C'est le père en fils. J'aime par la fin du compte, j'ai beaucoup aimé là. Ça m'a fait vivre et ça m'a fait inspirer encore de plus. J'ai fait plus que ce que mon père même n'a pas réalisé. Tout San Pedro est au courant de ça. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé là, mais j'aimerais voir qui peut essayer d'aider nous les artistes à avoir mieux fait plus que ça. Finalement, ce que je souhaite actuellement, c'est pas avoir une bonne centre d'artisanat à San Pedro, même si c'est vers Balmain, soit dans un coin, soit en face de la mairie, ça nous fera plaisir. Nous, les artisans, nous sommes là, mais on ne nous voit pas. Mais j'aimerais qu'ils fassent ça pour voir nous donner encore plus de courage. Parce que si là, ils éteignent comme ça, les gens, les enfants ne vont pas apprendre. Mais si on nous laisse abaisser, les enfants ne vont pas connaître la valeur de l'art. Bon, pour le moment, j'aimerais qu'ils nous donnent coup de main pour qu'on puisse faire une centre d'artisanal et celle qui veut apprendre, ils vont apprendre. Celle qui ne veut pas, ça ne gêne pas. Mais il faut les aimer avant de connaître. S'il vous plaît, aimez-nous pour qu'on va développer la Côte d'Ivoire ensemble.